Ok, alors on est sur la map port de commerce en mode domination. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer là. Hop, mettre un petit chargeur transmission, encaisser le tir, et après, deuxième obus, et voilà. C'est détruit, ce sont les léopards 2 PSO. Salut à tous, c'est Planic. On se retrouve sur War Thunder comme d'habitude. Après la petite semaine d'absence, on reprend avec un char que vous m'avez pas mal demandé. Et sans grande surprise, c'est notre fameux Leclerc, le top tier chez les Français, en rang 7 BR11.7. Ça fait déjà quelques années que le char a été ajouté sur le jeu, hein. On parle de mai 2019, soit un peu plus de 5 ans. Et pourtant, vous allez voir qu'il n'a rien à envier aux autres top tiers. Déjà, côté puissance de feu, on a un chargeur automatique avec un temps de rechargement de 5 secondes. Mais surtout, on a une flèche qui perfore déjà plus de 570 mm à courte portée. Donc vous avez largement de quoi faire pour perforer vos adversaires. Petite astuce, pensez à réduire votre emport d'obus à 22 afin de ne pas avoir d'obus qui traînent dans le rack secondaire qui est situé sur la gauche à l'avant de la caisse. Mention spéciale à la vitesse de rotation de tourelle qui est très rapide. On est à plus de 37 degrés par seconde. On retrouve tous les gadgets du top tier habituel, télémètre laser et vision thermique. Côté blindage, assez dur de l'évaluer, puisqu'à ces BR-là, à peu près tous les chars sont capables de se perforer. Vous arrivez quand même parfois à encaisser certains obus au niveau de la tourelle, mais attention au bas de caisse, surtout sur le flanc droit quand vous êtes face au char, puisque le conducteur et le commandant sont alignés et vous n'avez que 3 hommes d'équipage, donc ça part forcément sur un one shot. La mobilité et la maniabilité sont vraiment très bonnes, hein, puisqu'on retrouve un moteur de 1500 chevaux pour propulser nos plus de 50 tonnes, et par la même occasion vous profitez d'une très bonne accélération. En bref, vous avez tous les ingrédients pour faire un très bon MBT. Je serais curieux aussi d'avoir votre avis sur le char, pour ceux qui ont pu le débloquer. Et n'hésitez pas à proposer le prochain char que vous voudriez voir en vidéo. Et maintenant, je vais vous laisser avec la partie gameplay. Ouais, par contre, là, on a deux chars, dont un qui passe au-dessus. Hop, conducteur chargeur. Bon, pire tir, mais il m'a pas repéré. Nickel, excellent ça. Là, on a un autre Léo là-bas. On va en profiter, on monte. Il est détruit. Ok, honnêtement, je pensais que c'était déjà mon dernier tir, là. Oh là là. Ouais, mais par contre, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ouais. Il y a un HSTVL. Ouais, ça va être le premier à arriver en bas, je pense. Ouais, il va essayer de mettre des obus. Faut que je descende, clairement. Hop! Ah! Un poil bloqué. Bon, maintenant, je suis spot, donc c'est pas quoi, pas facile. Il se fait bombarder. Bombardé par des tirs de MG. Je vais essayer de sortir ici, moi. Voilà, parfait. Ah, presque. Ok, excellent. On a fait commandant tube canon culasse. Bon, là, il peut plus rien faire. Et boum. Ah non, toujours pas. Toujours pas, le boom. Allez, je vais foncer. Faut que j'arrive à le détruire, là. Je vais foncer. Tac, tac, tac. Normalement, c'est impossible qu'il ait le temps de réparer. Hop. Excellent. On a eu le tireur. Bon, par contre, ouais, on a toujours un Abrams qui est juste là. J'ai l'impression d'entendre aussi un char sur ma droite. J'aimerais bien mettre l'obus comme ça. Hop! Excellent. Toujours aussi bon à la mobilité du Leclerc. Et là, par contre, il y a du monde qui capse. Donc moi, je vais me stationner là, je pense. Ça sera très très bien. Et on va voir s'ils veulent sortir ou pas. Je pense qu'ils vont vouloir s'avancer et là vous avez un point de vue parfait. Ouais, il est juste au coin de la mosquée. Vous savez quoi, on va reculer un petit peu. Non. On va pas pouvoir reculer. Ok, excellent ce tir. Un peu chanceux honnêtement, je pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts. Et là on va repasser en bas. Oh, par contre on a vraiment plus aucun allié sur C. C'est compliqué hein. Ouais, en tout cas, on entend le moteur. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais le pinguer, hein, je vais l'annoncer. Voilà. J'arrive pas à savoir s'il est vraiment pile derrière le muret
Ou s'il passe derrière le bâtiment. Non, je pense qu'il est derrière le bâtiment. Ouais. Je confirme, il passe là-bas. Ouais. Excellent. Parfait, tireur moteur. Hop, on recule rapidement. Il y a quand même des échanges de tirs qui sont de mon côté, là. Et il y en a un deuxième, hein. Ouais, en effet, il me voit pas. Ouais, il y a la DCA qui arrive. Et la DCA qui descend. Hop, parfait. Là, le léopard qui comprend pas trop où est-ce que je suis. Il va peut-être descendre, lui aussi, non. Non, non, il regarde la direction, là-bas. Et ouais, là, bas de caisse, excellent. Ah! Non, le bas de caisse n'est pas passé. Bon, maintenant il sait que je suis là. C'est dommage que le bas de caisse n'est pas rentré. Après, ouais, là, je pense pas qu'il... Ah, il va essayer de choper mon moteur. Ouh là là, c'est tendu. Hein. C'est ultra tendu. Ouais, le moteur que j'entends est pas allié. J'ai pris un sale coup. Mais le Léo veut pas me rusher. Là, il y a le Abrams qui est juste là au contact. On a pris le moteur. Hop, parfait. Mais là, ça va être ouais, trop compliqué. Dommage. Bon, là, ils étaient clairement trop nombreux. Il y en avait un derrière, un devant. Mais au moins, on a pu détruire le Abrams. Ouais, ça passe là-bas. Ça passe pleine balle. Et du coup, il va pas sortir. Ouais, il a été malin. Il y a un hélico. On sait qu'il y a un char là-bas. Faut que je le ping. Ok. Ouais, je pense qu'il nous a clairement vu, lui aussi. Il nous a vu. Coup critique. Le tir, je sais pas trop ce qui s'est passé. Excellent. Le premier tir a pas été tout à fait clair à cause de l'explosion du réservoir de carburant. Je sais même pas dire si on avait fait des dégâts critiques ou pas. Ok. Ça a tiré juste là dans l'angle. Ouais, en effet. C'est Boons. Ouais, ouais. Ok, top tourelle. Non, ça veut pas rentrer. On a passé la culasse quand même, hein, en rouge. Mais là, je voudrais à tout prix me reculer. Me mettre en sécurité. Ouais, apparemment, ça se fait tirer dessus par là. Hop. Chargeur. Bon, je pense que... Oh. Ouais, derrière, derrière. En effet, j'ai vu. Non, ça passe pas. Et le CV, peut-être qu'il s'est replacé. Ah, il s'est reculé, apparemment. Non, il est toujours là, ouais. Hop, de flanc, excellent. Et la HSTVL, il doit toujours être juste là, à mon avis. Oula. Attention. Attendez, derrière, on a un char. Ouais, je vais reculer. Ouais. Hop, Abrams, c'est détruit. On a toujours le HS qui doit être sur les midis. Ouais, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il est exactement. Pour moi, il est juste là dans l'angle, en fait. J'ai bien envie de tenter d'y aller, mais c'est un peu risqué. Pour moi, il est juste là, ouais. Ouais, bon, ok, il est là. Il est là, il a dû me spot. Je vais reculer. Je vais reculer. Je pense que je suis 100% spot. Hop. Je vais essayer de me mettre dans un angle en attendant que le spot disparaisse. Mais je suis pas sûr que ça se passe bien. Ouais, j'entends clairement du char arriver. La HSTVL s'est fait détruire, donc ça c'est bien. Non, il va. Ouais, il est pile dans l'angle derrière. Il est juste là, ici. Ça cap C. Voilà, on est clairement dans une mauvaise passe. Ouais. Non, il est là. Ok. Oh, c'était très très chaud. Je pensais pas qu'il était aussi près, en fait. Ouais, j'ai serré les fesses. Vraiment, je pensais pas qu'il était au contact.
Le challenger a l'air de me dire qu'il y a quelqu'un là-bas. Ouais, c'est bien smoke, hein. Ouais, en effet. Il y a un Léo là-bas. Ouais, il y a deux Léo. Ok, là, faut y aller. Hop! Commandant tireur chenille, excellent. Là, on a tout pour y arriver. Excellent. Attention, parce que sur les midis, du coup, on sait qu'il y a un Léo. Et il y a le gars de C aussi. Je vais me replacer juste là. À la limite, faudrait que j'essaye de bouger, de passer là, comme ça. Ah ouais, il y a le... Abrams juste là. Est-ce que le T-80, il aurait pas bougé? Si, il s'est fait détruire. Ah ouais, mais le Abrams, maintenant, il regarde dans ma direction. Non, peut-être pas. En fait, j'ai... Plus ou moins, ouais, allez, on va y aller. J'y vais, ouais. Non, il me voit pas dans ma direction. Parfait. Plan, excellent. Maintenant, faudrait que j'aille chercher celui qui est juste là. Ça pourrait être pas trop mal. Ouais, faudrait que j'aille en rapide. La question, c'est est-ce qu'il m'a entendu ou pas. Hop, parfait. Prise de tir rapide. Là-bas, c'est bon, les alliés sont en train de passer. C'est très très bien. Ouais, il y a un char qui spot là-bas. Je vais essayer de revenir plus ici. Vous voyez, juste là, en passant sur l'extérieur. Voilà, ouais, je le vois. Ouais, hop, parfait. Et là, peut-être même plus loin. Ouais, ouais. Ah, dommage, c'est raté. C'est raté, mais pour combien de temps? Hop! Commandant tireur culasse. Là, il a pris un sale coup. Jonction. Excellent. Attention derrière. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un char derrière. Ouais, ouais, ouais. Style un BMP. Ouais, ouais, ça fume. En effet. Ah, dommage. L'allié, il a eu. Apparemment, il y a une ADAS dans... Ah oui, oui, oui. Voilà. Faudrait qu'il se pousse un peu. Parfait. Voilà. Mais par contre, on a vu, hein, il y a un IPM1. Ouais, ouais, il est juste là, en bas. On le voit, on le voit. Ouais, j'y vais à fond. Je sors. Il m'a pas vu. Hop. Parfait. Bon, on est un peu sur du spawn kill. C'est malheureux, mais c'est la map qui veut ça. En plus, on a les... On a, comment dire, les... Les 3 points de cap, donc la règle est respectée. c'est en train de s'énerver dans le chat. Hein. Bon, il a pas tort, hein, malheureusement. Malheureusement, on est en train de les détruire au spawn kill, là. Bon, apparemment, il y en avait juste un seul qui tentait de passer par là. Non, peut-être pas. Non, ça arrive, vous voyez. Ouais, ouais. Ah, il m'a vu, dommage, le T80 m'a vu. Est-ce qu'il va pas tenter de sortir? Si, je pense bien. Hop, parfait. C'est le léopard qui est venu. Non, j'ai raté le tir. Et je suis en feu. Ok, il va revenir. Parfait. Par contre, ouais, le tireur est en rouge écarlate. J'ai eu beaucoup de chance de pas tomber. Est-ce qu'il va y avoir d'autres clients potentiels ou quoi? Bon, c'était assez nerveux. Ah oui, en effet, il y avait un char qui planquait tout là-bas. Je l'ai absolument pas vu. Ouais, ça arrive derrière, ça se fait tirer dessus. Ouais, faut que je me tourne. Voilà. Ouais, je vois tout juste le T80. Il m'a pas vu, il vient de tirer. C'est notre moment. Bas de caisse, parfait. Il y en a encore un autre, hein. Il y en a encore un autre. Ouais, ça va arriver derrière moi. Encore. Ok, il vient d'exploser. Bien joué à l'équipe. Je l'entends très fort sur les midis. Ouais, il est juste là. Ouais, il est juste là. Ouais, il va passer là, en effet. Oh là là. Il a eu de la chance. Bon, il sait que je suis là. Ouais, ouais.
Parfait. À travers la fenêtre, excellent. Ok, par contre, je pense que là, l'équipe est en très mauvaise posture. Je vais reculer, je vais voir ouais, si je peux pas avoir quelqu'un là-bas. Apparemment, si. Mais bon. Je tente l'obus, mais je vois rien. Ok, il y a un char qui arrive sur les midi. Par là. Ouais, par ici. Je vais smoke. Hop. Je back. Il faudrait choper le BMP. Mais impossible de savoir où il est, le BMP. Ah, ouais, j'ai pris la Trax. Le BMP, il va arriver ici. C'est sûr. Ouais. Hop, parfait. Ok, il y a le T80 qui est en train de se faire asmater. Ok, il y a le Lavadé qui m'a fait gagner un peu de temps. Je termine la réparation tant bien que mal. Ouais, il se fait tirer dessus, le T80. Je pense qu'il est, cuit. Hein. Ouais, parfait. Bien joué à l'équipe. Allez, go, on sort de là. Il y a l'artillerie qui tombe. Il y en a partout de l'artillerie, de toute façon. Décidément. J'ai l'impression d'entendre un char adverse derrière. Mais oui, oui. Non, c'est allié. Ok, c'était le Abrams allié. Il y a un K50. Non, 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 il y a bien un char. Parfait. T80U. La destruction de ce T80 clôture donc la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis sur le char dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.